On va parler des 10 activités qui brûlent le plus de calories. C'est parti! On le dit souvent, pour être au top de sa forme, c'est vraiment important d'avoir une activité physique. Et c'est pas qu'une question d'être bien dans son corps et de perdre du poids, c'est aussi une question de santé, c'est aussi une question de bien-être. Moi, personnellement, le sport fait partie de ma vie depuis plusieurs années, j'en fais toutes les semaines, et même en ce moment, j'en fais tous les jours. Alors, pour certaines personnes, ça paraît énorme de se dire « Oh là là, Elodie, tu fais du sport tous les jours, moi c'est impossible parce que mon boulot, parce que mes enfants, parce que ma vie pro, ma vie perso, etc. » On a tous plein d'excuses pour ça et plein de raisons de ne pas faire du sport. Et moi, la première, je me fais rattraper tous les jours par plein de contraintes que je peux avoir et qui pourraient m'empêcher de maintenir mon objectif et mes engagements. Cependant, ce qui m'aide beaucoup, c'est en fait le bien-être que le sport me procure. Non seulement ça me fait perdre des calories, mais aussi ça me détend. Le fait de transpirer tous les jours, d'avoir une activité qui fait suffisamment marcher mon cœur et mes muscles, après je suis détendue, je me sens délassée dans mon corps et tous les challenges que j'ai au quotidien deviennent plus faciles, tout simplement parce que j'ai pris ne serait-ce que 30 minutes pour faire une séance qui va me faire du bien, me faire détoxiner aussi et me régénérer. Concrètement, quel sport je fais? C'est très simple. J'ai un lac à côté de chez moi et j'aime bien aller courir là-bas. Je fais l'équivalent de 2 tours de lac, ça représente 4 km. Je cours ces 4 km en 30 minutes, donc j'ai une moyenne de 8 km/h. Je suis vraiment pas une star du running. Courir à 8 km/h, c'est pas rapide, mais ça me suffit pour avoir ce temps d'oxygénation, d'être un peu dans la nature. Je mets mes écouteurs, j'écoute un podcast ou j'écoute une playlist sympa qui est dynamisante. Et en fait, ça suffit à recharger mes batteries. Et comme ce lac est vraiment à 5 minutes, du coup, j'ai peu de temps de trajet, j'ai pas vraiment besoin de me changer ou d'avoir une tenue spécifique. Et ça se passe très bien. Autre chose aussi que je fais en ce moment, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est faire des séances de sport sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous avez vraiment l'embarras du choix, que ce soit en français ou en anglais, si vous parlez anglais. Et je les mets sur ma télévision, comme ça j'ai un gros écran. Je vois le coach en face de moi, je fais des séances qui durent 25 minutes. Et finalement, je les fais avec beaucoup de plaisir de chez moi. Donc, je n'ai même pas besoin d'avoir une tenue spécifique. Même l'été, ça m'arrive de le faire en culotte et brassière et avec une paire de baskets. Et ce qui est sympa, c'est que souvent, les enfants le font avec moi quand je fais mes séances en fin de journée. Ils ont plaisir à venir faire du sport avec moi. Et ça me prend vraiment un minimum de temps. C'est vraiment 25 minutes la séance. Ensuite, je file à la douche qui est directement là puisque je suis chez moi. Et du coup, globalement, en 40 minutes, c'est plié, j'ai fait mon sport, je me sens bien et du coup je cultive aussi ce bien-être au quotidien qui m'aide à être moins stressée, qui m'aide à être plus calme avec mes enfants, avec mon conjoint au quotidien par rapport à tous les challenges que je peux avoir aussi professionnels. C'est devenu en fait une hygiène de vie et je vous souhaite vraiment que le sport devienne aussi une hygiène de vie pour vous. Alors maintenant parlons des sports qui brûlent le plus de calories. C'est un sujet qui revient souvent parce qu'on se dit quitte à faire du sport, autant que ça marche, autant que ça m'aide vraiment à mincir, autant que ce soit, si c'est un quelque chose d'efficace. Donc voyons voir quels sont les sports qui brûlent le plus de calories. Le squash est un sport très intense qui vous fait brûler jusqu'à 820 calories par heure. Pas mal du tout, seulement il faut être dans une salle de squash, c'est un peu spécifique, mais si vous aimez ça, c'est un sport très intense qui peut être intéressant pour vous. Le running, la course à pied, vous permet de dépenser jusqu'à 850 calories de l'heure. Alors c'est un rythme assez élevé hein, pour dépenser autant de calories. Moi, personnellement, je dépense dans les 250 calories en l'espace de 30 minutes. Et ensuite, donc ça reviendrait à 500 calories de l'heure à peu près par rapport au rythme auquel je cours. Alors, vous allez peut-être vous dire comment elle fait pour calculer son nombre de calories. Ben, c'est très simple. J'ai une montre. Moi, j'ai choisi de prendre une Apple Watch qui permet de traquer vraiment chaque séance de sport. Je vous recommande vraiment d'avoir une montre connectée parce que c'est hyper pratique pour évaluer, mesurer en fait le nombre d'entraînements qu'on fait dans la semaine, de voir si on progresse, c'est très motivant. Ça permet aussi de traquer votre nombre de pas, on est censé faire 10 000 pas par jour. Et du coup, si on n'a pas un outil pour le mesurer, c'est impossible de savoir si on arrive à ce résultat. Donc vraiment la montre connectée qui souvent a une application qui se connecte avec votre téléphone, ça vous permet de savoir exactement le nombre de calories que vous brûlez, si vous assurez au quotidien, si vous êtes assez actif. Et moi personnellement, depuis que j'ai ces outils, ça a vraiment changé aussi mon hygiène de vie et c'est comme ça aussi que je me suis mise à faire du sport tous les jours.
Il y a d'autres sports qui sont très efficaces, comme le ski de fond par exemple, ou le vélo. Ces deux sports vous permettent de dépenser jusqu'à 600 calories de l'heure environ. La corde à sauter, qui est très connue des boxeurs, ça aussi c'est très cardio quand on en fait longtemps. Alors si vous êtes capable de faire une heure de corde à sauter, sachez que vous pourrez dépenser jusqu'à 680 calories. La boxe, c'est très physique, on le sait, on peut dépenser jusqu'à 800 calories de l'heure. Et pour le step, le rameur ou le vélo d'appartement, on est autour de 600 calories de l'heure. Tous les sports de danse font souvent moins dépenser de calories. Après, il est aussi prouvé scientifiquement que ce sont des sports très intéressants parce qu'ils nous font bouger d'une manière qui fait qu'on se sent bien, qu'il y a plus de joie quand on pratique. On est plus autour de 400 calories de l'heure. D'autres sports plus doux, comme la gym suédoise ou la natation, c'est autour de 300-400 calories de l'heure. Là encore, ça dépend aussi comment vous nagez. Si vous êtes en nage intensif, ça peut être plus. Mais c'est des sports où on dépense moins. Après, ils restent très intéressants, surtout quand on est senior. Des sports comme le pilates peuvent être très intéressants parce que ça fait travailler vos muscles profonds, ça vous fait travailler la posture. Et du coup, ça peut être aussi très intéressant, on dépense moins de calories. Mais l'essentiel, au final, c'est pas les calories, c'est le fait de bouger, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous oxygènent et qui aident votre corps à mieux fonctionner. Je vous souhaite de très belles séances de sport, quel que soit le sport que vous choisissiez. L'essentiel, c'est la régularité, donc gardez la motivation, trouvez les outils qu'il vous faut, faites du sport avec un ami, intégrez un groupe de danse ou un groupe de gym ou une sorte de communauté qui va vous donner envie d'y retourner. Ça, c'est des excellentes opportunités pour vraiment ancrer le sport dans votre quotidien. Et racontez-moi dans les commentaires quel sport vous faites, comment ça se passe et quel sport vous avez envie de mettre en place. Ça m'intéresse. Je serais ravie de lire vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce que vous trouverez juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi aller plus loin en vous formant sur une vidéo en nutrition qui apparaît à l'écran ou télécharger mon guide gratuit des 10 secrets pour retrouver minceur et vitalité. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo nutrition et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette.